Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui coloriage. J'ai repris aujourd'hui un coloriage d'Emmanuel Colin, voilà. J'ai fait, alors c'est une jeune fille de profil avec des lisses dans ses cheveux. Le coloriage vient du premier carnet d'Emmanuel Colin, donc le Wild 1. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour découvrir ce carnet, si jamais vous êtes intéressé pour l'acheter, hein, pourquoi pas. J'ai un chat dans la gorge. Alors, pour faire le début de ce coloriage, j'ai utilisé les crayons Prismacolor. Pareil, je vous mets en barre d'infos. Ouais, de toute façon, je vous mets comme d'habitude en barre d'infos tous les liens du matériel que j'ai utilisé. Et je vous mets également les numéros des crayons de couleur que j'ai utilisés. Là, pour l'instant, je n'ai fait que les fleurs. Alors, les feuilles ne sont pas faites, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, au prochain coloriage, c'est ce que je ferai. Là, je n'ai fait que les fleurs. Oui, il y avait quoi? Une, deux, trois. Il y avait trois fleurs ouvertes. Et deux, une fermée et une qui commençait à s'ouvrir, voilà. La prochaine vidéo, ben, ce sera le reste des feuilles. Je ferai certainement les cheveux. Il restera le visage. Donc, je verrai si je fais le visage en même temps ou si je fais le visage sur une autre vidéo. Mais bon, là, je verrai par rapport au temps. Mais je pense que je pourrais tout faire sur la prochaine vidéo. Voilà. Donc, c'est toujours pareil. Je prends beaucoup de plaisir à faire les coloriages d'Emmanuel Colin. Je les adore toujours, toujours autant. Et là, je verrai, bon, pas tout de suite, mais bon, la prochaine fois, je vais me prendre le carnet numéro 2, le Will 2, et je vous montrerai en vidéo ce qu'il y a dans celui-là. Sinon, ben, rien de neuf, hein? Non, il y avait comme d'habitude, j'ai des trucs à vous dire, mais à chaque fois, je les oublie. Et j'oublie, le pire, c'est que j'oublie de marquer sur un post-it pour vous le dire. Donc, c'est grave, hein? C'est grave, docteur. Sinon, ben, aujourd'hui, il n'y a toujours pas de jardin. Hein? J'ai toujours pas pu aller mettre mes clôtures en bambou, mes canisses en bambou. Parce que ben, il pleut à verse dans le nord. Donc, pas moyen d'aller dans le jardin. On est allé ce matin parce que Chouchou voulait des choses pour son aquarium. Bon, avant on avait un très grand aquarium, il a cassé. Et là maintenant on en a un tout petit, mais bon, ça suffit, hein. Il a deux poissons rouges dedans. Avant on avait plein de poissons exotiques, mais maintenant bon, il dit non, ça lui suffit avec deux poissons rouges. Il a besoin de produits pour son aquarium et il voulait remettre des plantes dedans puisqu'il n'y en avait pas. Et du coup, en même temps, ben, j'ai regardé, j'ai commencé à reprendre encore des plantes pour le jardin. Donc, j'ai pris un jasmin grimpant. Donc, ça, c'est bien, ça va sentir bon, le jasmin à côté du poulailler. Et une clématite. Voilà, j'ai pris une clématite et un jasmin. Donc un petit peu à la fois, je prends. J'avais fait une commande chez Willems, sur le site internet de Willems. J'ai l'habitude de commander chez eux, mais bon, le problème chez eux, bon, c'est pas cher. Hein, oui, c'est pas cher. Surtout en ce moment, il y a des grosses promos. Mais le problème, c'est qu'on reçoit les plantes, elles sont comme ça, ou des fois 30 cm, ou... Donc, il faut beaucoup, beaucoup de temps pour les avoir très grandes. Voilà. Donc, du coup, j'ai annulé ma commande. Et j'ai dit, je vais reprendre un petit peu au fur et à mesure à la jardinerie. Ce sera mieux que de prendre chez Willems. Et puis, chez Willems, la dernière fois, j'ai sur 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sur 6 rosiers, j'en ai deux qui n'y a pas moyen qu'ils poussent. Donc, il pousse de ça, puis boum, il n'y a rien, il n'y a pas de rose, il n'y a rien, donc je les retaille. Là, je les ai retaillés, on va voir s'ils vont reprendre. Il n'y a pas moyen qu'ils poussent. Ces deux-là, il n'y a pas moyen. Mais j'ai dit, je m'acharne. Tant qu'il y a un bourgeon qui se met dessus, je m'acharne. Je veux que ça pousse.
C'est des grimpants en plus. Donc, j'avais deux grimpants encore chez eux ils étaient morts. Ouais, ils avaient réussi à mourir. J'ai réussi à les ressusciter. Là, maintenant, je les ai mis en pleine terre au jardin. Ils ont ressuscité. Ils sont en train de pousser. Donc, je crois que ces deux-là, je vais faire pareil. Là, ils sont en pot. Je vais faire pareil. Je vais les mettre en pleine terre pour les ressusciter parce que. Donc, c'est ça. Chez Willems, c'est pas cher. On peut avoir des plantes qu'on ne trouve nulle part ailleurs, mais vous les recevez. C'est des plantes qui ont 1 an, des fois 2 ans. Mais après, il faut attendre, il faut être patient pour que ça pousse. Très patient. Donc j'ai dit là, j'ai annulé ma commande. Et si je vais peut-être repasser la commande, c'est pour comment? J'ai vu, c'était pas cher. Du troène. Voilà. Là, ce sera pour mettre dans le fond de mon jardin. Là, le fond, je m'en fous. Il y avait 10 pieds de troène pour 10 euros, je crois, un truc comme ça. Donc ça, je vais peut-être le prendre. Et là, ils sont en 40 cm, donc c'est bien. Donc je vais peut-être prendre le troène. Mais bon. Bon, on n'était pas en train de parler de jardin, hein? Non, hein? Non, non, on parlait coloriage, hein, dans la vidéo, normalement. Ah là là, je suis toujours en train de dévier dans mes vidéos. Je suis toujours en train de dévier. Bon, mais c'est vrai qu'en ce moment, bon, là, je voudrais bien qu'il refasse meilleur pour que je puisse mettre mes plantes maintenant. Et puis nettoyer le jardin, parce que du coup, je n'ai pas encore pu vraiment nettoyer, à part le petit bout que vous avez vu là dans la vidéo. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous remettrai le lien là de mon jardin avec le poulailler du voisin. Mes jolis poulaillers du voisin. Bon, allez, j'arrête. Je vous fais des gros, gros bisous. Je vous souhaite un bon visionnage. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. Bisous, bisous. À bientôt. Bon visionnage.
Thank you.